Bonjour à tous les adorateurs par le mouvement du réseau Créative Impulsion. Alors aujourd'hui j'avais quelque chose à vous proposer et à vous partager. Pourrions-nous nous interroger sur le pourquoi nous avons donc nommé ce réseau des adorateurs par le mouvement, ce réseau francophone Créative Impulsion? C'est une question que l'on m'a posée. Mais Virginie, pourquoi avoir appelé ce réseau Créative Impulsion? Pourquoi est-ce que Soda Pop, Christine et toi avez eu ça à cœur? Ne serions-nous pas plus juste d'appeler ça le réseau des danseurs francophones du royaume en Jésus? Et que, non, cela nous semblait bien trop lourd et nous voulions surtout coller pleinement à l'inspiration même de la vision que nous avons eue à cœur. Effectivement, Genèse 1, verset 1 nous dit que au commencement, la terre était informe et vide et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus des ténèbres. C'est merveilleux de réaliser que l'Esprit de Dieu était en mouvement dans un environnement qui peut nous sembler inapproprié à la créativité, à la création, à l'inspiration. Mais que l'Esprit de Dieu en mouvement a pu pleinement déployer toute sa créativité et nous offrir chaque étape de la création, le jour 1, le jour 2, jusqu'au 7e jour, afin que nous puissions bénéficier de cette merveilleuse création inspirée par le Seigneur lui-même. Effectivement, en tant qu'adorateurs par le mouvement, nous sommes nous-mêmes plantés dans un environnement indésirable, inapproprié, inhospitalier, qui ne connaît pas le Seigneur et qui parfois peut nous rejeter. Eh bien, vous savez quoi? C'est à nous. Nous avons reçu la responsabilité, en tant qu'adorateurs par le mouvement, par notre mouvement, rempli du Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, de pouvoir changer l'atmosphère, toucher les cœurs et changer l'histoire. Eh bien, chers adorateurs par le mouvement du réseau Créative Impulsion, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'on peut tous impulser une créativité qui va transmettre la vie de Dieu? Voilà, nous vous invitons simplement à nous rejoindre encore. Si vous avez cela à cœur de pouvoir impulser par votre mouvement la vie du Seigneur, la vie de Dieu, partout où vous allez, eh bien, rejoignez-nous.